Bonjour à tous et bienvenue au Café des Artistes, très content de vous retrouver sur ma chaîne secondaire à laquelle, ben, en toute simplicité, je réponds à toutes vos questions. Si vous voulez poser votre question, c'est le lien dans la description, pas en commentaire, mais lien dans la description. Aujourd'hui, je réponds à une question, donc j'ai pas noté le prénom malheureusement. Donc la question, bonjour, mon tableau terminé, en me reculant au bout de quelques secondes, j'y aperçus un visage et je continue de le voir, ça me dérange. Que faire? C'est incroyable. Trois petits points. Pardon, ça me fait sourire, mais c'est une question qu'on m'a souvent posée. Et c'est aussi un comportement que j'ai pu voir quand j'ai fait des expositions. Bon, j'imagine que vous faites de l'abstrait, vous sous-entendez faire de l'abstrait, en tout cas du non-figuratif. Et bien sûr, vous regardez votre tableau, vous reculez, et là, tac, avec un peu de recul, vous voyez un visage. Des fois, un visage bien dessiné, quelque chose. Et donc, ça sous-entend que vous avez peur de ça, parce que vous mettez, c'est incroyable, trois petits points, ça me dérange. C'est juste votre cerveau qui vous fait des tours. Il n'y a rien de paranormal là-dedans, je suis désolé de vous le dire, mais certains aimeraient voir apparaître des signes, mais autant vous le dire, la plupart du temps, c'est votre cerveau qui vous fait des tours. Je m'explique. Quand vous regardez un tableau abstrait, qui est des fois bien nourri, avec plein de formes ou autre, si vous prenez du recul, et vous regardez globalement votre tableau, qu'est-ce que va faire le cerveau? Il va chercher avoir quelque chose de concret. Parce que le cerveau, à la base, il n'aime pas perdre ses repères. Il n'aime pas du tout ça. C'est pour ça que certains n'aiment pas l'abstrait et sont très dérangés quand ils voient de l'abstrait, parce qu'ils ont besoin de repères, ils ont besoin de voir des choses qu'ils connaissent. Donc vous, votre cerveau, qui peut, pour lequel ça peut le déranger, effectivement, dans ce contexte-là, donc il va tout de suite chercher, il est très créatif, à recréer quelque chose de connu par les formes, par les couleurs. Donc bah, souvent on y voit des visages, on y voit des animaux, on y voit des flammes, on y voit plein de choses dans le tableau abstrait. Et moi aujourd'hui je les vois plus ces choses-là parce que je me contente effectivement de mon contexte abstrait, je veux surtout pas voir de figuratif dans mes tableaux. Mais en expo, et ça c'est le cas à chaque fois, vous pouvez en être sûr, des gens vont regarder, vont dire « Ah là je vois un cheval, là je vois ci, là je vois ça, est-ce que c'est voulu? Ah là je vois un oiseau qui s'envole, deux visages l'un dans l'autre. » C'est toujours la même chose en fait, et ça me fait sourire parce que voilà, j'essaie de leur expliquer justement ce que je viens de vous dire, c'est que non, il n'y a rien à voir dans mes tableaux de figuratif, il y a juste des émotions par le biais des formes, des couleurs, de la composition, des ombres, mais il n'y a rien à y voir de figuratif, et que c'est le cerveau qui joue des tours parce qu'il a besoin de repères, et dès qu'il trouve un peu de repères, tac, il est rassuré, il fait, ah oui, là c'est un visage, d'accord. Donc, n'ayez pas peur. Si vous voyez des choses dans vos tableaux, il n'y a rien de malsain, il n'y a rien de parapsychologique, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. C'est juste, effectivement, comme je vous l'ai dit, votre cerveau qui cherche à s'accrocher. Alors, j'espère vous avoir rassuré, mais faites l'expérience pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Prenez certains tableaux, là, j'ai un tableau, bon, j'ai pas regardé avant, j'avais pas pensé à le faire, mais j'en suis sûr que si je cherchais, je verrais plein de choses dans ces formes-là. Je verrais plein de choses. Plus il y a de formes, plus il y a de matière, plus la composition est nourrie et plus on peut être apte à imaginer des personnages, des flammes, plein de choses. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est le cas, un petit pouce levé. Vous pouvez vous abonner, c'est ma nouvelle chaîne, c'est ma chaîne secondaire. Pour recevoir les vidéos, cliquez sur s'abonner et la petite cloche. C'est deux réponses à des questions par semaine qui peuvent peut-être vous intéresser si vous faites de l'acrylique. Vous pouvez aussi poser votre question, le lien est dans la description. Pas en commentaire par contre, bien le lien qui est dans la description. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.